अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, épisode précédent. Madame ! Alors, tu ne vas pas me souhaiter la bienvenue ? Eh ben, je reviens. Dans cette université, il y aura moi et il y aura toi. Donc, au lieu de me dire que tu ne veux plus me voir, tu me diras « on se verra tous les jours ». C'est le formulaire de recrutement de la police. Je l'ai rempli. Tu dois persuader ton fils d'apposer ta signature. Mon oncle, si vous ne vous sentez pas bien, je peux vous emmener à l'hôpital. Ça ne sera pas nécessaire. Reste loin des membres de ma famille. Le plus loin tu seras de ma famille, mieux ils se porteront tous. Et toi, c'est toi qui restes ici. Ou c'est moi. La suite maintenant. Ce n'est pas de sa faute. Pourquoi on doit partir? Nous partirons. Mon oncle, venez là. Reste à l'écart. Mon oncle, venez, asseyez-vous. Restez là. Venez. Garçon, de l'eau citronnée. Prenez cette eau citronnée, vous vous sentirez mieux. Buvez-le. Balak, on y va. Au revoir mon oncle, au revoir ma tante. Venez. Doucement, venez. Doucement. Pour quelle raison tu as dansé autant? Échou chérie, pourquoi tu as réagi comme ça? C'est un très bon garçon. Papa, tu ne sais peut-être pas, mais c'est ce garçon qui a été renvoyé de l'école l'autre jour. Lui? Oui. Je ne peux pas croire, chérie, que... Oui. Maman, j'étais justement sur le point de t'appeler. Est-ce que tu Imani. Sais... Tout d'abord, j'ai appris que le formulaire... pour l'inscription au poste de police est sorti enfin. Donc dis à mon gendre de t'apporter le formulaire aujourd'hui et de le remplir, d'accord? On vient justement de remplir le formulaire. Imanchu le contre-vérifie. Je l'ai déjà signé. Mais bon, maman, comment sais-tu pour ce formulaire? Parce qu'il y a le même formulaire dans ma main aussi. Ton père voudrait que... Eh bien que je demande à Rob de signer le formulaire. Mais maman, Rob aspire à un autre rêve. Tu le sais très bien. Je le sais, Imani. Mais ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de tout. Chante le nom de la déesse et remplis bien le formulaire. Que le Tout-Puissant puisse exaucer tous les rêves que tu as. Maman, je n'aurais jamais pensé que tu me soutiendrais de cette façon, à vrai dire. Et pourquoi pas? Je vois tous mes rêves se réaliser à travers les yeux de mes enfants. Que ce soit le rêve de ma fille. Ou celui de mon fils. Mes 4 enfants sont précieux pour moi. Le meilleur, hein, Imani? Maman, pas le meilleur, mais bonne chance. Prends bien soin de toi. Je le ferai. Kamla, n'apporte pas ma nourriture l'année prochaine, j'ai faim maintenant. Oui, oui, j'arrive. Oh, Tout-Puissant, gardez-moi saine et sauve. Pour que je puisse continuer à manger ces sucreries et que je puisse continuer à poser des questions. Je peux? Eh bien, ce Ranvir, est-ce que tu l'as appelé ou pas? Oui, ma grande sœur, il va venir dans quelques jours. Et notre Rupendra, il sera d'accord? Qu'est-ce que Rup doit accepter, ma tante? Oh, Rupendra, tu sais, je viens tout juste de préparer ton dessert préféré à la carotte. Viens, je te sers.
Oui, tu m'avais dit que tu ferais ma sucrerie tellement t'étais heureuse de ma réadmission à l'université. Je m'en souviens très bien. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, mes amis ont fait une fête pour moi. Donc tu me feras manger ce gâteau de tes mains. Bien. Recrutement pour le service de police. D'où est-ce que ça vient? Tu dois signer dessus. Waouh, Kamala, waouh! Tu as fait un travail magnifique. Comme ce gâteau est exquis. Délicieux. Waouh! Vous le savez tous. Malgré ça. Identifié grâce à ce vermillon. Bien, c'est le moment pour toi de me rembourser cette dette. C'est le formulaire de recrutement de la police. Je l'ai déjà rempli. Tu dois persuader ton fils d'apposer sa signature. Rupendra, tu dois le faire pour moi. Maintenant, tu peux le manger. Oui. Rupendra, tu dois le faire pour moi. Maman était impuissante. Ne te mets pas en colère contre elle. Tout d'abord, elle n'était pas impuissante. Elle était forcée de le faire. Et deuxièmement, je ne peux pas être en colère contre maman. Si je me mets en colère, c'est juste une coïncidence. Même après avoir tout su, je suis impuissant.
Mais comment est-ce que tu sais tout ça? C'est la façon de procéder de papa, n'est-ce pas? Pour arriver à ses fins, son obstination, il a toujours utilisé l'émotion de ses enfants depuis notre enfance. Et je suis certain qu'aujourd'hui aussi, avec une certaine émotion, il a contraint. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, tu trouveras le moyen de sortir de là. Mais pour l'instant, viens manger ton gâteau. Pour le moment, tu me donnes, ça va, je vais le manger. On devrait tous manger sucré dans les moments heureux. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est arrivé avec papa? Ça aurait pu être grave. C'est certain qu'il n'aurait pas dû danser comme ça, n'est-ce pas? Mais papa s'amusait vraiment beaucoup. Tout-puissant, faites que mon père soit toujours heureux. Recrutement pour le service de police. D'où est-ce que ça vient? Tu dois signer dessus. Rupendra, tu dois le faire pour moi. Rupendra? Tu fais quoi, mon fils? Le frère de Dawa l'a appelé 3 fois aujourd'hui. On doit lui rendre sa voiture. La voiture est prête, mon oncle. Je vais t'envoyer l'adresse par message. Tu iras lui remettre sa voiture. Ah, et oui, récupère l'argent, hein? Vaishvani, ma fille. Tu as pu courir jusqu'à la porte seulement, oui.
ça doit être ta plus petite course. Jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Si je devais m'écouter, je te donnerais une bonne paire de gifles. Vous ne devriez pas dire cela. Parce que vous n'êtes pas capable de le faire, alors j'accomplirai volontiers votre souhait, maman. Personne ne touchera un cheveu de belle-fille Vaishnavi. Je t'appellerai plus tard. Pourvi le promet. Parce qu'il y a encore un problème dans ma maison. Oh. Au revoir. Qui est ce garçon? Monsieur, je suis venu déposer votre voiture, mais je pense qu'elle ne veut pas continuer à vivre ici. Dawal, donne-lui l'argent et laisse-le repartir. Monsieur, est-ce que vous êtes... Mêle-toi de ce qui te regarde. Praful. Amène belle-fille Vaishnavi dans ma chambre. J'aimerais discuter avec elle. Non. Lâche-moi. Se comporter de cette façon avec n'importe quelle femme, c'est mal. Mais la forcer comme ça, c'est encore pire. Il s'agit de ma femme. Une épouse est aussi une femme. Si toutefois elle n'est pas d'accord, essayez de la persuader. Ou sinon, essayez de le lui expliquer. Mécanicien? C'est pas parce qu'elle était dans la voiture avec toi que tu dois te prendre pour son héros. Cette voiture n'est pas à toi. Cette maison n'est pas à toi. Et elle n'est pas non plus ta femme. Tes désirs ne fonctionneront pas dans cette maison, d'accord? Ne t'immisce pas dans nos affaires de famille. Fais une chose. Garde tout et va-t'en d'ici. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne l'as pas entendu? Qu'est-ce que tu regardes? Une minute, Praful. Une minute. Hé, hey, garçon, ce que mon fils Dawal a dit est vrai. Vaishnavi était dans la voiture. Oui. Pas foule. Tu devrais plutôt le remercier pour ce qu'il a fait. Si Vaishnavi n'avait pas rencontré ce jeune garçon, elle aurait déjà pu être très loin. Et tu aurais eu énormément de mal à la ramener dans cette maison. Tu devrais lui donner une jolie récompense. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que ta femme n'a pas pu s'enfuir.
technicien. Voilà ta récompense. Prends l'argent et continue ton propre chemin. Toi, ici. Toi.